va dire que lui là c'est un garçon. Lui là c'est un garçon. Moi je ne suis pas obligé de faire les arrondissements pour avoir abonné. Non, si je parle trop de Bédier, il vais perdre beaucoup de Baoulé. Si je parle mal de RDR, je vais perdre beaucoup de Djoula. Si je parle mal du GPS, je vais perdre beaucoup d'opposants. Donc, il a parlé bien de tout le monde, sauf Draman. Moi, je ne suis pas dedans. C'est Draman celui qui a le problème de Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Alassane Draman Ouattara de Saint-Doux, est-ce que c'est lui seul le problème de la Côte d'Ivoire? Draman, lui seul peut prendre les armes pour aller tuer 100 000 personnes, lui seul, en Côte d'Ivoire là-bas. S'il n'a pas été soutenu par les Ivoiriens, s'il n'a pas été soutenu par les Noirs comme toi et moi, Draman était-il dans les rues? Est-ce que c'est lui qui commandait les hommes sur le terrain? Draman parlait avec le Barack Obama. Il parlait avec le Sarkozy. C'est notre propre frère Guillaume Soro qui contrôlait les 37 000 rebelles. Ils étaient 37 000. Il sera étonné. Il va dire, mais qui lui a donné le nombre? Les rebelles même viennent me parler. Peuple d'Afrique, les gens qui sont dans l'armée de Côte d'Ivoire, tu ne peux pas croire. Il y a plus de 20 000 rebelles dans l'armée de Côte d'Ivoire, actuellement où tu parles. Quand je pleure sur la Côte d'Ivoire, je sais pourquoi je pleure. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, je suis fâché. Je sais pourquoi je suis fâché. Plus de la moitié des terres de notre pays ne nous appartiennent pas. Même ma maman, elle m'a appelé. Elle dit, il faut venir payer ton terrain. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il dit, mais je n'ai pas l'argent. Elle dit, non, c'est qui là, c'est 10 millions. Il dit, mais maman, il n'est même pas un. 1 million, c'est 2 000 $. Je n'ai même pas ça. Je ne travaillais pas. Elle dit, ah oh, c'était pour tes enfants. Il dit, mes enfants, ils vont naître ici. Il faut laisser pour toi là. Quand il dit aux gens, je n'ai pas l'argent, les gens parce qu'ils m'amusent. C'est pourquoi quand les gens volent mes vidéos pour aller gagner de l'argent, ça me fait mal. Mais moi, mais je n'en ai pas. Je ne sais même pas comment on monétise TikTok. Je ne sais même pas comment on fait tout. Les gens gagnent l'argent sur nous. Elle m'avait appelé, ça fait 2 ans maintenant. Ça veut dire, actuellement, il n'y a plus rien en Côte d'Ivoire. Je sais trop de choses sur notre pays, chers camarades. Je sais trop de choses. Je sais trop de choses. C'est pourquoi quand je parle de la Côte d'Ivoire, je suis toujours sur des nerfs. Je suis toujours sur des nerfs. Parce que je sais trop de choses. Je sais trop de choses. Il y a plus de 20 000 rebelles. Merci de l'avoir bloqué. Il y a plus de 20 000 rebelles dans l'armée de Côte d'Ivoire. Attends, quand tu regardes le nombre de militaires de Côte d'Ivoire, je vais regarder un peu, si vous me le permettez. Je vais regarder un peu, si vous me le permettez. Qu'est-ce que je dois taper pour voir? Qu'est-ce que je dois mettre? Puissance militaire. Non, je vais aller sur Global Power Military. Ok. Et puis, je vais chercher Côte d'Ivoire. Donnez-moi un instant. Je vais chercher Côte d'Ivoire. Non. Dites-moi, vous pouvez me dire, non? On a combien d'armées? L'armée de Côte d'Ivoire est composée de combien de militaires? Attends, mais ils pouvaient utiliser ça là pour mes TikTok. J'ai oublié que ce téléphone n'est pas déchargé. Attends, il y a lancé TikTok. Là-bas, eux, au moins, ils me donnent un peu de fleur. Là-bas, ils m'encouragent un peu. YouTube, regardez, depuis là, il y a zéro en ligne. Il y a zéro aide en ligne. TikTok, au moins, ils me donnent. Question. Regardez mon titre, c'est noir. Ah, ok. J'ai renversé la caméra. Hein. Comment il peut retenir la caméra? Comment je peux retenir la caméra au Adama? Oh, la caméra est renversée, hein? Comment je peux la retourner? Je ne maîtrise pas. Vous voyez, je ne maîtrise pas TikTok. Comment on retourne la caméra? Elle est renversée, là. Elle est renversée, donc je ne pourrais pas me voir si je mets ça comme ça. Elle est renversée. Je ne vois pas comment on retourne la caméra.
Tu ne vois pas comment on retourne la caméra au... Mais pourquoi la caméra est venue comme ça aujourd'hui? Il n'utilise pas trop ce téléphone là-haut. Ah, ok, j'ai réussi. Voilà, TikTok, venez. Voilà, c'est le même direct qui continue. Nous sommes combien de militaires en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît? Il y a combien de militaires en Côte d'Ivoire? Alors, combien? Deux millions? Non, c'est pas possible. Non, ça c'est pas Côte d'Ivoire, frère. Tu es sûr que c'est la Côte d'Ivoire? 35 000? Ouais, ça peut être vrai. Sinon, 2 millions, tu es. 963 000. Ah, ok. 12 000 réservistes. Et combien? Wikipédia. Ok, je vais voir là-bas. On dit de voir sur Wikipédia. Je vois Wikipédia. Wikipédia. Ça sort en anglais ici. Ok. Donc, on dit. Nous sommes 22 000. 22 000. Mais ça, c'était en 2017. Pourquoi ils donnent les anciens chiffres comme ça? Ça, c'est en 2017, hein, les gars. 22 000. Donc, peut-être qu'actuellement, c'est dans 30 000. Non, le gars, il a raison. Lui, il a dit 35 000. Attends, voir une autre page encore. 12 000 actifs. On dirait le frère. 12 000 actifs. 2 millions. Oh, ça, c'est les personnes aptes au service. Les personnes qui peuvent aller en guerre sont 2 millions. Moi, je parle de... Donc, tu avais donné les vrais chiffres. Et disponible au service militaire, 3 millions. Ouh, on est peu, hein? 12 000 actifs et 2 000 réservistes. Ouh, ça, c'est quelle année, ça? Ah, ça, c'est en 2002, avant la guerre. Non, mais pourquoi ils me donnent les anciens? Les anciens, attends, il y a 2023. Tiens. Vous voyez, en 2002, on n'était rien. On n'avait même pas une bonne armée. Bon, on me parle de 2002 ici. Bon, moi, je ne comprends plus rien. Ok, je vais aller sur Global Firepower. Global Firepower, ça, c'est le site officiel où on trouve vraiment tout. Même s'il y a un peu de mensonge dedans. C'est ce que je n'aime pas sur les sites-là. Les sites là, c'est bizarre. Quand tu descends, ça ne descend pas. C'est tellement surchargé que ça ne descend pas comme ça. Donc, je suis dessus. Maintenant, je ne sais pas comment je vais trouver Côte d'Ivoire. Où sont les pays? Ok, voilà les drapeaux. Les drapeaux sont là. Je vais chercher le drapeau de Côte d'Ivoire. Je ne vois pas le drapeau de Côte d'Ivoire. Aïe, il ne veut pas drapeau de Côte d'Ivoire. Il ne veut pas drapeau de Côte d'Ivoire. La page est là, mais il ne veut pas drapeau de Côte d'Ivoire dedans. Là. Orange, blanc, vert. Je vois l'Inde, mais l'Inde là, c'est orange, blanc, vert aussi, mais c'est renversé. Ça, c'est pas Côte d'Ivoire. Il n'y a pas Côte d'Ivoire dedans ou bien. Ivory Coast, non. Il y a trois pays, Indien, Gambie. Bon, chers camarades, ça me perd le temps pour rien. Mais pourquoi il n'y a pas Côte d'Ivoire dedans? Mais il y a déjà vu pour Côte d'Ivoire ici, non. Je comprends plus rien. Bon, il n'y a pas Côte d'Ivoire dedans. Mais on est 12 000 actifs, comme vous le dites. Mais pourquoi Global Power là, ils vont pas attendre taper ici. Il a tapé dans la barre de recherche. Côte d'Ivoire. Oufoué Boigny a dit, on n'a qu'à appeler ça Côte d'Ivoire. Faut pas avoir appelé ça
à Ivory Coast. Ça, c'est Wilfred Boigny qui a dit ça. Mais je pense que les gens ne respectent pas un pays. Juste, là, j'ai trouvé. Jusqu'à présent, les gens appellent ça à Ivory Coast. Voilà. Jusqu'à présent, les gens appellent ça à Ivory Coast. Donc, Wilfred Boigny, les gens n'ont pas respecté sa parole. C'est Thomas Sankara qui a réussi. Il dit qu'il ne veut plus Burkina Faso, il ne veut plus Haute Volta. Et puis, c'est resté. Les gens appellent ça toujours Burkina Faso. Plus de Haute Volta. Mais Wilfred Boigny, tellement il est bailli, les gens n'ont pas respecté sa parole. Donc, ça s'appelle toujours Ivory Coast. Voilà. Alors, je vais chercher Manpower. OK. Donc, nous sommes 29 millions, d'après ce site-là, je sais que nous sommes beaucoup plus que ça. Nous sommes 29 millions d'habitants. Donc, on va dire, ça c'est en 2023. Donc, on va dire que peut-être on a déjà dépassé les 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Nous avons 22 millions de personnel actif et zéro personnel réserviste. Voici la triste réalité. 22 millions actifs et zéro réserviste. Parce que ceux qui sont là, l'armée de Côte d'Ivoire ne les tient pas à cœur. Hein. Et c'est de créer les armées parallèles, comme ce que vous voyez là. Hein. On dit qu'ils ont créé brigade anti-mandien. Ça, c'est quelle brigade encore? C'est dans quel pays il n'y a pas mandien? Même aux États-Unis, il y a des mandiens. Même en Californie, on dit que le niveau de vie est élevé là. Californie, on dit un pauvre ne peut pas vivre ici. Parce que le niveau de vie est tellement élevé que les gens vont dans les autres coins pour vivre. Ben ici, tout est cher, mais il y a quand même mandia. Et puis souvent, on leur donne quelque chose, un ton dans la rue. Moi-même, souvent, je fais ça. Moi, c'est selon l'inspiration. Quand il regarde ton visage, si tu m'énerves, il ne te donne rien. Si il te regarde que tu me fais pitié, il te donne. Ça dépend de mon humeur. Ben, c'est que parmi eux, là, il y a plein qui ne sont pas des vrais mandiens. Si moi, je quitte ici, et bien, ma mère à Washington, D.C., qui me connaît là-bas? C'est comme ça qu'ils font? Ils quittent ici, ils vivent ici avec sa famille, hein? Ils disent, je m'en vais en mission. Ils sont au loin, à l'autre bout. Par exemple, quelqu'un qui est en Californie, et puis tu vas à Oyuwo ou même quoi, là. Mais c'est 4 heures de... C'est-à-dire, il y a même décalage horaire. Tellement c'est éloigné. Il y a décalage horaire. 3 heures de décalage horaire. Tellement c'est éloigné. Qui me connaît là-bas? Bon, comme je suis sur Internet, mais les gens qui ne connaissent pas Internet, qui ne sont pas sur Internet, il est né ici ou bien il est ici. C'est comme ça qu'ils font. Ils quittent ici, ils se voient dans un état éloigné, où il est sûr qu'il ne va pas croiser sa connaissance. Et puis il est dans les rues, il demande l'argent. Il se met dans les carrefours. Et puis il demande. C'est comme ça les gens font. Même à un moment là, les gens les filmaient ici. Il y a un gars là. C'est-à-dire, lui, il est parti se mettre quelque part. Il attend. Quand le gars s'est levé, c'était une femme. Elle s'est levée, il a mis la caméra et puis il a suivi la femme. Vois-tu qu'elle a partout ouvrir de l'autre côté du parking, du garage. Vous voyez les garages publics là. Elle est restée jusqu'à vers les 16h. Vous voyez ici, la nuit tombe vite souvent. Donc 16h, 17h, il commence à faire noir. Donc elle s'est levée, elle a fini de travailler comme ça. Le monsieur était là, il attendait. Dès qu'elle s'est levée, il a mis la caméra, il dit regardez, il y a où prouver que celle-là, c'est pas une vraie mendiante. Il est parti avec elle. Elle a ouvert 10 bas 4-4 pour monter. Il est parti discuter avec elle. Elle avait honte comme ça. Faut pas me filmer. Je vais te convoquer. Il dit, mais tu prends l'argent des citoyens qui payent les taxes. Les citoyens qui se battent. Et puis tu regardes la voiture où tu roules. Il dit, même moi-même, je ne roule pas dans la voiture comme ça. Tu vis où? Regarde ta plaque. C'est pas une plaque de... Par exemple, c'était Washington. C'est où le gars faisait la vidéo. Il dit, la plaque n'est pas une plaque d'ici. Non, tu n'es pas d'ici. Ta voiture, parce que ici, tu peux rouler partout. Du moment où tu es une plaque américaine, même si tu vas à Washington, avec ta même plaque là, tu rentres là-bas, personne ne va te déranger. Mais on sait au moins que tu n'es pas un New Yorker, tu n'es pas un truc, tu es un Californien. Mais le policier ne va pas te déranger, personne ne va te déranger parce que c'est le même pays. C'est comme ça les gens font. Donc, dans quel pays il n'y a pas de mendiant? C'est la question que je pose à Draman et puis à son clan. C'est dans quel pays il n'y a pas mendiant? Il y a mendiant partout. Même en Suisse, en France, aux États-Unis, en Chine, partout il y a mendiant. Même à Dubaï, il y a des mendiants. Ce n'est pas une brigade anti-mendiant que Draman a créée, chers camarades. C'est ceux-là qui vont taguer l'opposition demain. Si on est quitté là, je pense qu'on va plus s'amuser avec le dos du nageur. Quand la vérité, il faut dire, on est fatigué, on est waron. Si on est quitté dans ça là, on n'a qu'à venir ici pour dire encore Jésus-Christ de Nazareth.
C'est pourquoi je dis aux gens, la langue, pas la langue qui est dans ma bouche, mais le langage, la religion, la région, l'ethnie, ne sont pas des facteurs de politique. Sinon, tu vas devenir un mauvais politicien. Ce n'est pas des facteurs politiques. Mais c'est les Guillaume Soro qui ont envoyé ça en Côte d'Ivoire. C'est les Dramanes qui ont envoyé ça en Côte d'Ivoire. C'est ça la triste réalité. Ce n'est pas des facteurs qu'on prend pour faire la politique. Il y a des gens qui disent que tu dis que tu es panafricain et puis tu parles français. Mais si tu ne parles pas le français, là, comment tu vas faire pour comprendre ce que j'ai dit? Parce qu'en Afrique, un seul pays peut avoir 200 ethnies, 50 ethnies, 60 ethnies, 80 ethnies, un seul pays. Et dans chaque pays, il y a plusieurs ethnies. Quand tu prends le Kenya, il y a plus de 300 ethnies. Quand tu prends le Cameroun, c'est 200 ethnies. Côte d'Ivoire, 60 et quelques ethnies. Et puis, ce n'est pas les ethnies qui se répètent de pays en pays. Non. Ce ne sont pas les mêmes ethnies. Les ethnies de Côte d'Ivoire ne sont pas pareilles aux ethnies du Cameroun. C'est des différentes langues que nous parlons. C'est des différentes langues. Baoulé, Bété, tout ça là. Donc, le fait de parler français ne fait pas de moi un faux panafricain. C'est un langage pour qu'on se comprenne. Ce n'est pas un facteur politique. Le fait de vivre aux États-Unis ne fait pas de moi un faux panafricain. C'est une position qui me permet d'être à l'abri des hommes de Draman qu'il entend de créer sous forme de brigade là. Ma position actuelle me permet de critiquer Draman, même si normalement, si j'étais en Côte d'Ivoire, je n'allais pas le critiquer. Donc, c'est une position qui me permet de le critiquer. Donc, je suis plein ici. Si je quitte ici pour dire que je rentre en Côte d'Ivoire, je ne vais plus parler. Pourquoi les Noirs n'ont pas compris ça encore? Comment l'intelligence peut être aussi limitée chez l'homme noir? Vous-même, vous savez quand on parle là, c'est parce qu'on n'est pas là-bas. Donc, comment quelqu'un va quitter là pour dire, toi, tu dis que tu es panafricain et puis tu es aux États-Unis? Mais c'est parce que si aux États-Unis que je suis panafricain là. Quand tu es en Afrique, surtout dans les pays hostiles à l'AES, tu n'es plus panafricain. Tu t'amuses, tu vas devenir prison africain. Mais comprenez ça une bonne fois pour toutes. Au lieu de mettre, vous mélangez jalousie, politique, vous mélangez tout. Il y a d'autres qui sont jaloux simplement parce que je suis ici. Et lui n'est pas ici, donc il est jaloux. Il n'est jamais monté d'avion, donc il est jaloux. Il n'a jamais vu blanc vis-à-vis depuis l'aîné. S'il voit blanc, c'est Libanais, c'est Mauritanien. Herman aussi, il parle mal, hein. Il n'a jamais touché femme blanche. Il y a les gens là, ils n'ont jamais touché femme blanche. Quand il dit toucher, c'est pas saluer. Il dit toucher. Ils n'ont jamais fait ça, ils sont aigris. Nous, on refuse. Donc, il y a d'autres qui me laissent être politique. Et puis, ils font des commentaires bidons. Sinon, si moi-même, je parle là. Mais c'est parce que ici. Regardez, c'était Biko, qui n'était même pas en Côte d'Ivoire. Mais comme il était en Afrique, ils l'ont mis en prison. Un pays africain l'a vendu. Un pays africain l'a vendu. Mauritanie. Sous le de Paris, il fait quelqu'un qui est handicapé d'ailleurs pour mettre dessus. Pas pour me moquer, mais pour montrer combien de fois sa position l'arrange. Sous le de Paris, il est handicapé de naissance. Mais regarde Bush qui il fait. Il est dans la voiture, il est gros, bête comme ça. Beaucoup de sueur partout. C'est lui qui crie toujours à cause des rebelles. Mais il fait bouche là quoi de quoi? Lui là, il a la force. Lui là, il peut se battre avec, comment on appelle ça? Il peut se battre avec Chérif Ousmane. C'est pas lui qui insulte tous les généraux de police. Il insulte tout le monde. Il aime juste apposer les mots. Les bons mots, les faux mots. Il mélange tout pour montrer aux gens qu'il parle français. Et moi, je ne comprends pas aussi les gens sur ce côté-là. Les Johnny Pacheco, les Soule de Paris et autres là. Est-ce que vous êtes obligé de chercher les gros mots pour dire aux gens que vous êtes partis à l'école? Ça, c'est le complexe d'infériorité. Est-ce que tu es obligé de juste... Lui, quand tu l'écoutes, ça dit un jour, je l'ai écouté, j'ai ri jusqu'à... Ça dit toute la phrase est remplie de gros mots. Quand lui, il compose une phrase là, c'est gros mots, plus gros mots, plus gros mots, plus gros mots, pour dire aux gens que lui, il parle français. Hé, mais c'est quoi ça? Tu as fouillé, il n'a même pas bac. Il n'a même pas BTS. C'est comme Johnny le tunnel crânien. Communicationnellement. Monsieur, communicationnellement. Audible. Gesticulation. Il va utiliser tous les gros mots dans ses directs. Quand tu écoutes son direct, c'est tout le dictionnaire qui décide. Mais il n'a pas bac. Et je l'ai démontré ici sur la toile.
Il n'a pas pu montrer son bac. Moi, j'ai montré bac BTS. Il était sur le point de montrer licence. Et puis les gens m'ont dit, il faut te calmer. J'ai déjà montré bac et puis BTS en tout cas. Il n'a pas ça. Donc, je vais dire, parce que sur le de Paris, j'ai dit un jour, on dit c'était le mois surpassé. Non, on dit c'était en janvier. Oui, en janvier. Et on m'a dit que c'est comme ça qu'il fait. Bah, il a causé avec un doyen qui est en Côte d'Ivoire, qui aime aussi la politique, mais je n'ai pas dit son nom ici. Il dit, ah, hier, j'ai tombé sur Soule de Paris, là. Mais il a commencé à rire. Il dit, hey, c'est comme ça qu'on souffre ici, oh, avec lui, là. C'est comme ça qu'on souffre, oh. Quand il parle comme ça, là. Et puis souvent, ce n'est pas dans les contextes. Ce n'est pas, pas tout le mot qu'on utilise bêtement. Comme Johnny Pacheco, tu n'as pas été audible à ma voix. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il veut dire simplement, je t'ai parlé, tu n'as pas compris. Donc, tu n'as pas été audible. Audible, c'est audio. Audible, là. Dites à Johnny le tunnel nyrénien. Johnny le tunnel crânien nyrénien. Que audible, là. Hein? Ça vient du mot audio. Donc, quand tu veux dire à quelqu'un, tu ne m'as pas compris, il ne faut pas utiliser le mot, tu n'as pas été audible à ma voix. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Par contre, s'il y a, y a une foule, que quelqu'un est loué et puis on ne l'attend pas, on peut dire oui, la personne n'est pas audible. Parce que l'audio n'arrive pas à ton oreille. Voilà comment on utilise les mots. C'est pourquoi nous autres, on copie, on fait copier-coller. On parle comme Ibrahim Traoré, comme le président Gbagbo Laurent. Au calme. C'est-à-dire on parle en mode fantôme. Le jour où Dieu t'a amusé pour comparer niveau intellectuel, tu vas te laisser tes plumes. Comme Johnny a laissé ses plumes dans le clash. C'est lui qui a commencé. Il dit qu'on est illettré. Il dit que les propres babos sont illettrés. C'est là que je l'ai coincé. Et aujourd'hui, toute la toile sait qu'il n'a pas de bac. Parce que j'ai démontré A plus B qu'il n'a pas bac. Il est parti faire vidéo dans l'université. On dit qu'il faut montrer le bac, tu montes bâtiment. C'est parce que les deux mots commencent par B que les deux mots se ressemblent. Herman, le patron, dit tu n'as pas bac. Il s'est monté bâtiment. C'est comme ça que je l'ai honni. Je l'ai honni même. Où il est là, on comme ça. Parce qu'il est venu dans le clash. Ça, je suis tellement rentré boulé. Il a fait vidéo pour me répondre. Pendant presque 30 minutes, il se justifie. Moi, j'ai le bac. Ma femme est plus jolie que Nadi Bamba. Il s'est justifié. Puis après, il a fui le clash. Il n'est plus venu jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, non? Mais je parle toujours mon français simple, simple. Donc, je vais dire à l'Adji Shérif, et pardon, pas ce salopard-là. Je vais dire à le Frotomougou. C'est mon gars, Bibi. Si tu me regardes en cachet, regardez pas, vous aussi là, vous n'êtes pas honte. Vous êtes fan de nous, vous faites semblant. Si tu me regardes en cachet, regardez, frère. Ta manière d'aligner les mots là, ça fait même qu'on peut même. Un homme sérieux ne peut pas t'écouter. Moi, comme ça, là, je ne peux pas te suivre. Je ne peux pas regarder 10 minutes même de tes vidéos. Parce que j'ai comme l'impression que tu joues avec les gens. Tu ne t'exprimes plus. Tu voles. Ça dit, toi, tu ne parles pas pour t'exprimer. Ça dit, pour donner des expressions, pour que les gens te comprennent. Toi, tu t'envoles avec la langue de Molière. C'est la langue de ton père ou de ta mère. C'est la langue de tes parents. C'est pour ta maman. Tu sais pourquoi vous cassez les couilles. Tu es un petit joueur là. Si tu parles français, bon, A, B, B, on va te comprendre. Mais il va dire, des propos farfelus, gigantesques, gesticulatoires. Mais ça, c'est quoi ça? Non, il dit quand je l'écoute, j'ai ri jusqu'à... Il y a longtemps que je l'ai écouté quand même. Hein. Je n'écoute plus ceux-là. Et tous là, même Pro Gbagbo, tous, je n'écoute plus personne. Voilà, parce que vous, mais vous savez que eux et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous, mais vous le savez très bien, vous, mes abonnés, mes vrais abonnés. Donc, pour ne pas m'embrouiller, je n'écoute plus. Mais il dit, en janvier 2024, je l'ai écouté, j'ai ri jusqu'à... Et... Si vous voulez, là, on va s'amuser un peu. Si vous voulez, on va s'amuser. Aujourd'hui, vendredi, non? De gros beau. C'est le même champ lexical. Communiquer, diffuser. Ça, c'est la même chose. Diffuser, c'est prendre quelque chose quelque part et puis donner aux gens. Présenter aux gens. Communiquer, c'est prendre l'information et puis donner aux gens. C'est ça la communication. C'est-à-dire le but final, c'est de se faire comprendre et faire passer l'information. C'est pourquoi Gbagbo Laurent, il a choisi de parler terre à terre. Pour que tout le monde puisse le comprendre. Donc si vous voulez faire la politique, surtout dans un monde où c'est la médiocrité qui prime,
et que les gens ne regardent plus les gens qui sont allés loin à l'école. On regarde simplement celui qui veut faire passer sa chose. On ne se casse pas les couilles. Sinon, nous tous, on connaît quand même un peu. Moi, en tout cas, même Johnny Pacheco, il m'a lancé le défi. Parce que je lui ai dit ça. Je lui ai dit que je parle français que lui. Et c'est là qu'il m'a répondu. Il dit, toi, tu peux parler français avec moi. Même en anglais, il te va dire. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Tu peux parler français avec moi. Tu peux parler anglais avec moi. Tu peux faire des... Parce que je l'ai corrigé en anglais. Ça l'a honni. Il y a un direct qu'il a fait sur lui. Il était en jaune comme ça. Je l'ai honni dans ce direct-là. Même en anglais, je l'ai corrigé. Il a mal traduit les propos de Blé Goudé. Et puis je l'ai corrigé. Il est venu me répondre encore. Toi, tu parles anglais avec moi. Tu fais débat en anglais avec moi. Mais toi, tu es là-bas depuis 2012, 2011, 2015. Mais je ne sais pas quoi. Moi, je suis venu tout près là en 2018, presque 2020. Tu veux te comparer à moi en anglais. Ça veut dire qu'il connaît un peu. Vous voyez, non? Donc, je voudrais dire à ce gars. Attends, j'ai envie de rire un peu. Ce qu'il dit là, il prend sa récente vidéo et puis on va regarder. Vous allez voir combien de fois les gens se tuent pour rien. Les gens se tuent pour rien. Moi, j'ai ri un peu. C'est mon gars. Bibi, c'est mon gars. Eux, ils me regardent en cachet, regardez. Ils ont peur de me mentionner. Et même, un jour, j'ai lancé un défi. Il n'y a pas un cyberactiviste sur la toile là. Toute tendance confondue qui va me lancer un défi. Ils ont peur même de dire mon nom. Moi, ils disent leur nom. Moi, je suis comme ça. C'est pourquoi ils disent, je suis vrai. Je ne suis pas juste, mais je suis vrai. Sinon, je ne suis pas juste. Non, je n'ai pas vous menti. Être juste, c'est être comme les babos, comme Jésus-Christ. Pour l'instant, vraiment, je ne suis pas à ce niveau. Là, je n'ai pas vous menti. Et c'est parce que je suis vrai que je vous dis la vérité. Moi, je n'ai pas le même cœur que Babo Laurent. Si c'est moi qui étais au pouvoir, peut-être la Côte d'Ivoire était encore en guerre. C'est ça aussi la vraie réalité. Si c'est moi qui étais au pouvoir, là, Dramane était encore en exil. Tu vas passer par où pour rentrer en Côte d'Ivoire? Tu es malade. Va régler ton premier BD, c'est BD qui t'a envoyé là-bas. Et puis l'État, c'est une continuité. Donc lui qui m'a précédé là, les actions qu'il a menées là, moi je soutiens ça. À moins que ce ne soit pas un rebelle. C'est-à-dire, moi je viens au pouvoir là. Je continue le dossier de Gbagbo, le dossier de Bédier, le dossier de Oufoué. Sans trahir. C'est ça, c'est comme ça les Blancs nous dirigent. Quand eux ils viennent là, pourquoi Sarkozy est parti? Vous avez vu quelqu'un qui a regretté ce que Sarkozy a fait? Mais Sarkozy a mélangé toute la sous-région avant de partir en Afrique. Il a tout gâté. Quand ils sont venus, ils ont continué avec les nègres des maisons. François Hollande, quand il est venu, il a continué à Dramane. Macron, quand il est venu, il a continué à Dramane. On ne change pas l'équipe qui gagne. L'État est une continuité. Moi, il est venu au pouvoir et puis il a dit non, Dramane, il faut venir en Côte d'Ivoire. Le nageur, il faut nager, on voit ton dos. Mais il est tiré dans ton dos. Ah! Gbagbo et moi, on n'est pas pareil. Gbagbo Laurent, il a un cœur d'ange. Moi, je suis très loin d'être un ange, mais je suis vrai. Être vrai, c'est pas la même chose que être saint. On est d'accord, hein? Je sais pas si vous comprenez un peu. La vérité n'a rien à voir avec la sanctification. La vérité, tu me dis, mon mot dia, je te dirai que tu m'as dit mon mot dia. Je vais pas venir pour dire que non, laissez tomber, non, c'est-à-dire que c'est mon frère. Non, tu as tué mon papa, je vais rappeler au monde entier que tu as tué mon papa. C'est ça qui est vrai. C'est pourquoi les Bleus vous disaient, c'est ça qui est la vérité. On n'a pas dit c'est ça qui est sain. Vous mélangez tout. Vous voyez maintenant, non? On n'a pas dit c'est ça qui est sain. Ce qui est vrai, c'est que Guillaume Soro a été rebelle. Comme je ne suis pas Dieu pour accorder les miséricordes aux gens, c'est pas à moi de lui donner la miséricorde. Il a qu'à aller prier à l'église. Il dit les chrétiens, non? Il a qu'à aller prier, il a qu'à aller crier à Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu, je suis un être humain comme lui. Je rappellerai ses actions néfastes sur le peuple de Côte d'Ivoire. Je raconterai l'histoire dans toute son essence, même si ça blesse quelqu'un. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Guillaume Soro d'être rebelle. De son vivant comme de son mort, je parlerai toujours même chose. Si c'est lui qui est parti avant moi, mais c'est moi qui suis parti avant lui. Bédia est parti, je dirai toujours ce que Bédia a fait. Et puis ce que vous oubliez, c'est que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On dit non, Bédia a été président, il n'a pas fait la guerre pour être président. Il a terminé comment? Il a terminé comment? Quel est le service qu'il a rendu aux Ivoiriens avant de partir? Quel est l'héritage qu'il nous a donné? L'héritage n'a de valeur que lorsque le gars s'en va. On est d'accord ou pas? Quand il était vivant, puis il nous dirigeait là. Et puis il n'y avait pas de guerre là. Mais est-ce que nous, on était nés? Maintenant que nous, on est nés, on l'a trouvé.
Il est parti à l'hôtel du Golfe, il est rebelle. Dans ça, il est mort. Il n'a rien fait pour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas laissé un héritage à la Côte d'Ivoire. C'est ça que nous, on va écrire dans nos livres. Et c'est ça qu'on va, on va cultiver. Et c'est ça qu'on dira aux gens. Depuis sa position, je le dis ici, sans faux fuyant. Et c'est ça qui fait ma particularité. Tu es baouleux, tu penses que je m'attaque au baouleux, je m'en bats les couilles. Ce n'est pas ta mère qui m'a accouché. C'est de ça qu'il s'agit. Si toi, pour toi, attaquer Bédé, c'est attaquer les baouleux, c'est toi qui vois. Moi, c'est Bédé que je connais. Il était à l'hôtel du Golfe, vrai ou faux? C'est ça qui est vrai. Donc, moi, je suis vrai. Mais je ne suis pas sain. Si c'est pour ça que les gens me détestent, il y a toujours quelqu'un qui va m'apprécier. Et il y a toujours quelqu'un qui va s'abonner. Une personne se désabonne, 100 personnes s'abonnent. C'est comme ça avec Herman le Patriote. Parce que même si le monde est en enfer, il y a des gens qui aiment encore la vérité. Il y a des gens qui aiment encore les gens sincères et sérieux. Et j'en fais partie, chers camarades. Je vais vous montrer Bibi. Écoutez, il va parler de Guillaume Soro. Sa grande sœur de lait. Sa grande sœur là. Il ne parle pas avec elle depuis maintenant plus de 20 ans là. Sa cause de président Bédié aussi. Sa cause de Guillaume Soro. Je parle de Aoussou Jeannot. Il faut lui demander. Que sur le départ, il dit. Ah, il a changé. J'espère qu'il a se réconcilié maintenant avec sa grande sœur. Que depuis plus de 20 ans, ta propre grande sœur ne lui parle pas. Mais va lui parler d'abord. Ah. Mais c'est Guillaume Soro qui fait que tu ne parles pas à ta grande sœur. Ah. Partagez-moi les bêtises là, je vais lui dire deux mots encore. Puis, André, il s'exprime bien maintenant, il a changé maintenant. Hein. Enfin, il n'y a plus gros mot dedans. Attends, il boit quoi? Tiens, il boit un liquide noir. C'est pas à toi, hein. Ça, c'est mon médicament, ça, aloe vera. C'est très bon. On t'a pas demandé, hein. Voilà, vous faites le sport, et puis il faut avoir un bon corps. Et voilà, il ne faut pas être gros comme ça. Ah, non, t'es un bon corps comme ça. Un gros vent devant toi, ça te fait lait. Donc il faut au moins, tu bois ça, voilà, ton aloe vera propre. Et puis ça te donne les plaquettes, et puis tu fais une rébâtitienne. C'est pas Berry. Hein. Il raconte c'est quoi? C'est un garçon plein. Tiens. Il y a longtemps, il a écouté. Hein. Il a changé, André. Il parle plus gros mot. Hein. De garçon plein. Voilà. Donc, quand tu fais le sport, et au-delà de ça, tu as un régime alimentaire bien équilibré. Voilà. Et puis là, tu scintilles. En bon? Il a là, commencé. Tu pétilles. Ah, il a commencé encore. Voilà. Là, tu brilles. Et puis, ça crée beaucoup de jata. On dit quoi, il souffre, on dit quoi. Ouais, c'est bon pour la santé, je te dis. Bon. Puis, donc, faut toujours boire à l'eau, verra. Bon, c'est bon, je ne sais pas ce qu'il raconte, mais. Je pense, André, attends, il est parti un peu de moi. Au coup, pardon. Tiens, il y en a moins, hein. Là, il a. Attends, ouais. À chacun son short. Pas un courrier, ça. Non, pas un courrier, ça. Ici, il s'amuse un peu. Il s'amuse un peu. Bon, c'est pas grave. Donc, je constate qu'il ne fait plus comme avant. Sinon, avant, il alignait trop les gros mots. Tiens. Il est riche jusqu'à. Mais André, maintenant, il a commencé à comprendre. Parlez terre à terre comme nous. Hein? Ne vous cassez pas les couilles. Merci à tout mot pour une fleur. Merci pour les fleurs. Chers camarades, mettez les fleurs sur TikTok. Aïe, mettez les fleurs. Et puis, tapotez. Mettez les tapotages. C'est gratuit. Mais mettez les fleurs aussi. Tiens. On n'est pas monétisé. On est là. Chers camarades, merci. Merci d'avoir suivi ce direct. Et peut-être que je vais revenir encore. Parce que je vais parler un peu du Niger. Donc, je vais revenir. Il est encore 15h. Je sais qu'il n'est pas trop tard chez vous. Il est 15h25. Donc, je peux revenir encore. Donc, je vais revenir encore. OK? Je vais revenir. J'ai pas faim. J'ai rien à manger, mais je n'ai pas faim. Vous voyez, mais c'est un peu dangereux. Parce qu'il est 15h. Peut-être d'ici le soir, j'aurai faim. Ou bien demain, je n'aurai rien à déjeuner. Donc, je vais revenir pour faire la vidéo vite. Et je vais aller au supermarché, chers camarades. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Il est 21h. Ah, vous voyez, il n'est pas tard. Il est 21h. Donc, d'ici 22h de Côte d'Ivoire, je serai en ligne. On va parler un peu du Niger. Il y a des très bonnes nouvelles là-bas. Il y a des décryptages que je vais donner. Voilà. Donc, merci beaucoup. Abonnez-vous à mes TikTok. Et ceux qui volent mes vidéos là, je vais vous traquer jusqu'à dans vos derniers retranchements. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. C'est vraiment le patriote qui est là. Imiter mais jamais égaler. Je vois même les commentaires des gens sous les vidéos de ceux qui volent mes vidéos là. Tout le monde est fan. Ils me connaissent pas, hein. Et ils pensent que c'est moi-même mon compte. Tu vois? Mais les gens sont fans. Ah, c'est qui lui là? Ah, il parle bien. Ah, c'est qui lui là? Ah, mais lui, ils le connaissaient pas, hein. Les gens mettent les vrais commentaires. D'ici, il a fait 2 ans dans le combat. Je sais que je serai connu. D'ici 2 ans. Par exemple, le mois prochain, ça va faire 1 an que je suis dans le combat avec vous. Ça fait 1 an.
Il est 16h26 au Canada. Ok, d'accord. On est ensemble, mon frère, depuis le Canada. Je devais même aller au Canada, mais la fille, elle est trop impolie. Donc, j'ai annulé le voyage. On ne m'a pas remboursé mon ticket. J'ai perdu mon argent. Donc, là, je vous donne un conseil sur le côté. Vous, mes abonnés. Avant de prendre un ticket, il faut bien lire. Parce que je n'ai pas lu la partie. Et puis, j'ai coché. Tu vois? Avant de valider. Ciao! La partie là, c'est non refundable. Parce que quand je décoche, le prix augmente. Quand je coche, le prix diminue. Le tocard. Moi, j'aime insulter les gens. Ma mère aime insulter aujourd'hui. Le tocard, Herman, le patron n'a pas lu la phrase. Quand le prix a diminué, pouah, il a coché. Parce que j'étais trop sûr d'aller voir la fille. Ja, on dit si tu veux non refundable ticket, tu as 20% discount. Si tu veux refundable ticket, tu dois payer le prix total. Les gens m'ont eu. Donc, quand le truc, j'ai annulé, on dit 0 dollars. J'appelle, on dit, ah, mais c'est non refundable. Il faut bien regarder ton ticket. Je regarde bien où j'ai coché non refundable. Donc, devant la loi, j'ai perdu mes 382 dollars. Cadeau. Parce que je ne peux pas me lever ici aller voir une fille qui est très impolie. Elle est très impolie, cette fille-là. Très impolie. Très, très impolie. Et moi, j'ai quitté ici pour aller te voir. C'est même pas fait d'amour qui est entre nous. Hein. C'est elle-même qui est dans le malheur. C'est elle qui a besoin de moi. Et puis, c'est elle qui est impolie, elle ne respecte pas. Elle me parle comme son petit frère. Parce que sa petite soeur et moi, on était ensemble. Et puis, il est trop bizarre comme ça. Quand moi, j'ai annulé mon truc aussi, assis ici, mon frère. Donc, quand il attaque Canada comme ça, je me rappelle toujours de ça. De mon agent. Mon agent. Et dans galère, là. Et c'est aller-retour, hein. Donc, si vous voulez prendre un billet, et la compagnie, c'est Frontier. Ne prenez pas Frontier parce qu'eux, ils aiment faire ça aux gens. Ils ont beaucoup de policiers non refundables. Ils font tout. C'est-à-dire, toi, mais quand tu vois la différence là, tu vas cliquer dans le truc là pour faire non refundable. Bah, si tu veux refundable, c'est-à-dire, si tu veux qu'on te rembourse ton ticket en cas d'annulation, la différence que tu vas payer là, elle est très énorme. Souvent même, c'est 150 dollars. Le ticket coûte 300 dollars, hein. Et puis tu dois payer 150 dollars de plus. Comme ça, si tu annules le ticket, ils vont te rembourser. Pour le même voyage. Donc, les gens poussent les gens à cliquer, à prendre non refundable ticket. Parce que c'est moins cher. Mais il peut arriver un malheur et puis tu annules. Attends, quand tu annules, tu perds tout. Zéro même, on ne te donne pas. Tu vois? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette compagnie, ça s'appelle Frontier. Il faut prendre une autre compagnie. Et c'est les plus moins chers, hein, à cause de leurs trucs là. C'est comme ça qu'ils font. Ils ont trompé plein d'Américains comme ça. Plein d'Américains. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Si vous voulez prendre une compagnie d'aviation, vous qui êtes ici aux États-Unis, parce que c'est une compagnie américaine. On appelle ça Frontier. Voilà. Cette compagnie-là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Où est l'avion là-même. En tout cas, c'est Frontier, comme frontière. Mais il n'y a pas E à la fin. C'est le même mot comme frontière en anglais. Mais il n'y a pas E en affaire, à la fin. Et puis, il n'y a pas A sans grave. C'est frontier. Voilà, si vous voulez frontier, c'est comme ça qu'on appelle. Vous tapez frontier, vous allez voir. Regardez même, ça commence par 49 dollars. C'est comme ça qu'il faut. Hein. Maintenant, quand tu mets les trucs, ils vont gonfler. Tu vois? Donc, c'est comme ça que j'ai perdu mon argent. Donc, quand j'entends Canada comme ça, je me rappelle en même temps. Donc, je vous dis de faire très attention. Si vous voulez prendre un fly, faites très attention. Vous pouvez tomber dans ce genre de piège-là. Ceci dit, je pense que tout est terminé. Je vais devoir prendre congé de vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on se retrouve dans 30 ou bien 1 heure. OK? 30 ou 1 heure, je vais revenir en direct pour faire mon dernier direct d'aujourd'hui. Merci beaucoup, chers camarades.